Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 257 de Ark, ça y est, là, enfin là. Ça faisait un petit bout de temps que je l'attendais quand même. Maintenant c'est bon, ils sortent de plus en plus de mises à jour tous les mois, ça y est, des grosses mises à jour. Parce que ça y est, on approche de la version finale de Ark, et ça va être vachement cool. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on se retrouve pour tamer un petit dinosaure, vous l'avez vu dans la barre d'infos. Ça va être le Kentrosaurus aujourd'hui qu'on va tamer. Donc déjà, je vais vous parler de cette nouvelle mise à jour. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Déjà, on a 4 nouveaux dinosaures. On a l'abeille géante, qui est juste oufissime. De toute façon, vous avez toutes les photos maintenant. On a l'abeille géante, le daéodon. Lui, il me fait assez rire parce que le daéodon, c'est un gros sanglier, hein, le truc. Hein. Et il est assez drôle. On a le lieuprorodon. Alors, attendez, le lieuprorodon. C'est carrément chelou. Pour moi, ça, c'est typique un mosasaur, mais avec la tête d'un crocodile. Hein. C'est exactement ça pour moi. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour le Kentrosaurus. Donc, très très joli animal qui est juste à côté de nous. On en a trouvé un avec Anto. Comment tu vas, Anto, d'ailleurs? Très bien, et toi? Ah bah, très bien. Donc, on en a trouvé un qui était pas loin, en fait. Par contre, on peut pas le monter. Il faut savoir qu'on peut pas le monter. Il fait très très mal parce qu'en fait, il peut grab, en fait, sur ses pics. Il enfourche le mec, quoi, et là, t'es cuit. Donc ça peut être cool. Ensuite, on a les nouvelles structures qui ont été mises en place. On a la chambre de clonage qui permet de cloner contre un petit peu d'element le dinosaure de notre choix. D'ailleurs, en parlant de dinosaure, je vois... Ça doit être lui. Le Kentro, c'est lui, là. Avec ouais, sa petite tête. Il a son dos violet. Ok, il est cool. On va l'appeler Spiro, vu qu'il a le dos violet. On a les nouvelles structures, donc... Alors, attendez, je vais faire un petit truc. On va se mettre sur l'option comme ça, vite fait. On a des nouvelles structures, donc on a la tourelle tech qui a été mise en place. On a la grenade tech collante qui a été aussi mise en place. On a, ça y est, sur The Island maintenant, on a le volcan qui rentre en éruption. Donc on a dû vite enlever certains dinosaures qu'on avait au niveau du volcan parce qu'on pouvait les perdre, bien évidemment. Et ça va être cool. Je l'ai pas encore vu rentrer en éruption puisque je viens tout juste de me connecter sur cette nouvelle mise à jour. J'ai rien testé encore. J'attends, on va le faire tous ensemble. On a aussi, on a quoi d'autre? On a des nouvelles coupes de cheveux et des barbes. On a des nouvelles... Il me coupe pendant que je fais ma... Mais tu regarde... T'es un mal poli, bah j'arrive. Regarde mais... où je vais. Non mais reste où t'es, regarde où je vais. Tu me vois? Attends. À ta gauche. Ouais, ouais, je te vois. Regarde, au-dessus de moi. Je m'approche pas trop près, mais... Ah, c'est les... pour les abeilles. Les ruches qui ont été mises en place. Donc oui, pour les abeilles géantes, du coup, en fait, c'est un système de ruches. Quand on va péter la ruche, il y aura les abeilles dedans. On a intérêt à courir très vite, sinon bah, elles ont tendance à nous piquer. Et par contre, on peut se faire un sacré essaim. En l'étamant, sachant qu'il y a la reine abeille hein, aussi, mais ça on le fera plus tard par la suite dans d'autres vidéos. Et du coup, on peut se faire du miel, ça peut être top. On va s'approcher de la rue juste après. Donc, on a des nouvelles coupes de cheveux et barbes qui ont été mises en place, des nouvelles notes d'exploration. Alors, attendez, j'ai failli oublier les choses les plus importantes, c'est-à-dire la grotte tech qui a été mise en place. Ah, oui. Celle-là est incroyable. On a aussi 20 nouvelles musiques qui sont désormais disponibles dans le jeu. Et on a un autre truc cool, bien évidemment, avec tout ce qui est le tech. C'est la nouvelle selle tech, et c'est la selle de Mégalodon qui a été mise en place. Donc à cette fin de vidéo, on va générer une selle, je vais la mettre. C'est un dragon en face? Pas du tout, ami, celui-là. Il y en avait un autre, alors? Oui, il y avait le mâle et la femelle, et la femelle s'était barrée. Alors, il est où, l'autre? Là, à côté de moi. Mais non, tu l'as enfermé dedans? Bah oui. Pendant que j'étais en train de parler, t'étais en train de faire ton truc. Ah ouais. Ah, je peux lui mettre des balles, du coup? Si jamais t'as envie, juste à gauche, là. Y'a, tu sais, les trucs qui te donnent de l'XP. Là. La petite peau. Wouah. Des nouvelles notes d'exploration. Ça, d'ailleurs, les notes, j'y vais jamais, quoi. Je les fais jamais, rien du tout. Oh, ils sont vraiment cool. Attends, je vais juste zoomer un coup pour voir. Vas-y, vas-y. Je vais zoomer avec la Super Spyglass. Hein. Oh. Ouh. Faudra en profiter qu'ils soient assez éloignés. Donc on les... Tu t'occupes duquel? Comme ça au pire. Je m'occupe de celui tout devant. Comme ça tu t'occupes de celui du fond. Bleu, moi je m'occupe. Ouais, allez. Ok, vas-y, 3, 2, 1. Ok. Oh non. Oh non, il... dis donc, il est costaud hein. Le machin il a fait... Ah, je veux pas. Attends, faut peut-être leur donner à Gray, on avait emmené... Ils aiment beaucoup les potates. Ils aiment bien manger des potates. Tu vois la tronche? Hop. Eh, plus on avance, plus la modélisation est cool, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas revenu sur le serveur multi, puisque j'avais tendance à aller... Oh, oh les yeux. Ça a les yeux. Ça va vite ou pas? Je sais pas. Je vais regarder. Ouais, ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas revenu sur multi, parce que... Dressage 3%. Bon. On avance. On avance.
Ça faisait un petit bout de temps parce qu'en fait, j'avais tendance à aller sur le solo pour m'occuper de Godzilla, les Xenoqueen et compagnie. D'ailleurs, je vais continuer à faire ça parce que c'était vachement cool. Ils vont prendre des bons niveaux, hein. Oh la vache. Bon, par contre, concernant le Lioplerodon, apparemment, il y a des bugs avec lui, apparemment. Au niveau de son timing, des bugs qui ressemblent fortement au... je l'appelle Edouard, comment il s'appelle ? Moi je l'appelle Edouard, vous savez, c'est celui qui a ses grandes griffes en fait pour former de la touch et tout ça. Et en fait, lui il avait un bug au niveau de son timing. En fait, ça mettait énormément de temps et ça tombait pas sous le sens en fait. Et là, on a exactement ce même problème avec le Lioplerodon, donc ça va être réglé sur les prochaines mises à jour, hein, c'est obligé. Le Daeodon, du coup, le Daeodon et le Lioplerodon, on n'a pas encore eu l'occasion de les voir, l'abeille. Bah, écoute, on la voit là en face de moi, l'abeille. Hein. On va faire un petit zoom pour voir. Je vais pas péter. Non, parce qu'elles vont te suivre, hein, mec. Hein. Je suis un dragon de feu, hein, donc ça crame vite une abeille. Ouais, à la limite. Vas-y, je zoome. À moins que j'arrive à foutre une balle à une abeille. À mon avis, tu pourrais mettre une flèche au nid d'abeille. Tu veux jouer avec une flèche, mais attends, je sors. On risque de les attirer sur toi. Heureusement qu'on a mis l'item reusable grappling hook. Hein. Ah, encore l'abeille d'autruche. J'y vais. À chaque fois que tu dis une autre ruche, j'ai l'impression que tu parles d'autruche. Ah. Oui. Elle. On va peut-être s'attirer. Oh, fait énormément de dégâts comme... Oh, elles sont là. Elles sont là. Où ? Attends, tu vois pas, vas-y, là où je suis. Si, ouais. Regarde où je regarde, elles sont là, elles sont sorties. Elles sont mal bien. Oh, c'est tout petit. Ah bon ? Bah, pas très grand, hein, attends. Oh, c'est tout petit. Regarde sur mon écran si tu veux. C'est vachement petit, c'est pas... Qu'est-ce qu'elles crachent ? Ah, elles se bouffent entre elles. Elles font du miel. Ouais, non, elles se bouffent entre elles, surtout, là. Elles sont en train de crever. Mais non ! T'as tout cramé ! Ah ouais, c'était bien d'être Giant Bee. Mais... Il l'a fait exprès. Je crois que tu l'as fait exprès. Ah, il y en a des qui sortent. Oh ! Ah ! Je peux attaquer, au secours. Bah, c'est bien fait. T'avais qu'à pas la chercher. Bon, je peux pas les one-shot. Voilà. Ouais, y'en a plein dedans, regarde. Oh, y'avait. Oh, mais t'es con! J'ai pas fait exprès! Mais touche à ton. Oula, attention, y'a Michel. Mais fallait pas la toucher! Bah bravo, bah du coup faut la manger. Par contre, tu feras gaffe. Fais gaffe. Pourquoi? Un lightning! Eh ben, le lightning, il aurait pu nous faire tomber nos montures. Oh, un petit bisou! Bon, j'ai pas fait exprès de bouffer la mer, hein, je vous promets. Non, tu l'as tué, c'est moi qui l'ai bouffé après. Mais toi, tu l'as tué. Voilà, donc... Oui, mettez-le dans les commentaires, tout simplement. C'est de la faute à Anto. Moi, je fais en sorte de fournir un gameplay, une image nette de la nouvelle créature. Et au final... Oh ! Il s'est réveillé. Fais voir la tête. C'est un petit level, hein. Ouais, c'est un petit level, mais quand même, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Alors, PPR, t'es prêt à être cloné ? Oh, la vache ! Oh, c'est sympa comme tête. Écoute, j'ai bien... Ah, mais attends, faudra qu'on teste, hein, voir ce qu'il donne en attaque. Hein. Que si t'as une paire de ciseaux sur toi, je vais tester les nouvelles coupes de cheveux pour regarder... Ah, merci. Toujours une paire de ciseaux, ce petit coiffeur. Hein. Y a pas de doute. Hein. Faut que j'enlève ma moumoute. Il est bientôt debout, lui, par contre. Ouais, bah on va... Ah, bah... Ah, bah, hey, Michel, attends, moi, je voulais... Oh, on va pouvoir les emmener... Ouais, c'est une façon de regarder. Il est vraiment cool. 224. Excellent. Ouais. Lui, on dirait pas un peu qu'ils sont un peu soumis. Genre, oui, mon maître. Oui, maître. Un petit peu ça. On dirait trop. Bon, alors, attends. Je vais juste faire un truc de coupe-coupe pour voir. Vas-y. Oh, dreadlocks. Oh, j'aime bien les dreadlocks. Je crois que je vais mettre des dreadlocks. Ça me va bien. Pas mal. Queue de cheval. Oh, bah c'est joli, mais alors, fallait pas mettre le truc devant. Là, on dirait une mini moustache. Et les nouveaux, c'est les tresses. Oh, c'est joli aussi. Oh, je peux avoir une petite barbe, des rouflaquettes à la Wolverine ou une petite moustache pas dégueulasse. Ah, le volcan! Allons voir le volcan, vite fait.
Et là, tu sais, au moment où je me mets dessus, tu sais, alors le nouveau volcan. Il nous pète à la gueule et qui brûle nos dinos, je vais être dégueu. Je l'ai pas. Oh, il y a de la lave dedans. Oh la vache. Ah oui. Tu vas plus. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai touché un mur invisible. Je pense que j'ai touché un mur invisible. Ah ouais. En effet. Oh. T'as vu toi aussi, t'as dû toucher. T'as vu qu'il y a les mêmes pierres que. Sur Scorched Earth. Ouais, que les Wyvern. Ouais, par contre, si tu regardes, il y a la grotte. Au fond. Ah oui. Ah ah. Peut-être pour une prochaine vidéo, dites-le-moi dans les commentaires. C'est excellent, c'est vraiment bien foutu, hein. Tu crois qu'il y a quelque chose de vivant dedans? Ouais, c'est vrai. C'est un bon spot ici. Regarde, imagine le mec, il est dans Langue et Michel, j'ai trouvé un bon spot ici. Et là, ça pète. Ouais. Eh, tu mets un pont au-dessus, tu recrées la scène avec du Seigneur des Anneaux. Avec Gollum qui tombe au milieu. Imagine, tu viens de te faire la grotte tech, tu sors de la grotte tech et éruption. Grave. Tu perds tout, terminé. Ah, c'est bon. Alors, regardons. Attention, il y va. Oh la vache! Mais il le chope, il le lâche pas. Oh, attendez, il y a son pote qui y va, hein. Ils sont deux, hein. Oh la vache, ils vont dans la flotte et tout. Arrêtez, vous êtes des cons, hein. Ah, mais on a la manta. J'avais oublié qu'il y avait l'autre couillonne de manta dans la flotte. Ah bah forcément, donc forcément, madame ne peut pas... Oui, voilà, madame ne peut pas s'occuper de ses fesses. Forcément. Bon, écoutez, revenez, les copains. La manta est trop... elle ne pense qu'à sa tronche. Revenez. Laissez tomber, de toute façon, laissez tomber. Nous revoilà donc quelques secondes pour vous, plusieurs heures pour nous, une heure facile, hein, plus d'une heure. On se retrouve avec la magnifique selle du coup de Mégalodon en tech de la 257 et la selle Bosasaur tech de la 256. Donc on va regarder un petit peu ça. Anto, il finit de préparer la chambre de clonage et après on sera banco. Donc du coup, on va. Franchement. Elle déboîte. Il me fait, je vais pas vous mentir, le mégalodon me fait moins peur comme ça, physiquement. Hein. Bon, je vais pas trop m'approcher des dents quand même. Il me fait quand même moins peur que quand il a son aspect basique. Donc on va le monter, on va faire un petit hop, K, un petit CTRL, pas dégueulasse. Oh, ça lui fait un joli petit nez. Ah mais ça fait bizarre, on dirait qu'il tire avec le bout de son nez. En fait c'est avec le haut du nez, mais attendez. Je vais essayer de viser un poisson. Ok, donc il faut de l'element, bien évidemment, pour charger l'armure. Hein. Ok, du mégalodon. On testera, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on teste justement des attaques avec le tech tier, qu'on s'équipe intégralement de tech tier et qu'on parte avec des dinos en tech. Ça pourrait être vachement cool. Donc on va essayer le mosasaur. J'avais pas encore testé. Alors, bim. Alors, fais voir mon pote. Un petit CTRL. Waouh, son armure, elle est vraiment badass. On va tirer avec. Ouais, donc après, c'est exactement la même chose, quoi. Attendez, je vais tester un truc. Franchement, mais il est stylé. Il est vraiment... Je fais le tour du proprio, d'ailleurs. Vous voyez, il y a tous les dinosaures aquatiques qu'on avait tamés lors des anciennes vidéos qui sont ici. Donc, lors des anciennes vidéos... Non, je vous dis des bêtises, les loulous. On n'a pas tamé tout ça en vidéo. Hein. J'ai tamé ça hors rec. Hein. Avec des copains, mais ne vous inquiétez pas. Le Kraken, c'est moi qui vais le tamer. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, on va regarder comment elle compose un petit peu sa selle. Il est vachement... Pour moi, la selle la plus jolie pour les animaux aquatiques, pour le moment, reste celle du Mosasaur. Je la trouve vachement complète. J'aime beaucoup l'extension au niveau de ses nageoires. Je les trouve super jolies, l'extension aussi au niveau de son dos, au niveau de l'arête. Elle est super belle. Merde! La manta est morte. Ah bah elle est sortie de l'eau. Ok, la manta était très conne de toute façon, donc écoutez. Tant pis, rip la manta, j'ai envie de te dire. Donc en fait, la selle est super belle. Je la trouve magnifique avec ce système d'électricité autour. Je la trouve superbe. Il est où le mégalodon? Ah non, il est là. Ouh, j'ai eu peur. Est-ce que je peux sortir la tête de l'eau et tirer? J'avais vu ça dans le trailer. J'ai envie de regarder. Oh, on peut tirer à l'extérieur. Anto, est-ce que t'entends mon signal? Oui. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Eh, on peut tirer de l'extérieur et tout. Pas mal. Et donc voilà, du coup, c'est la chambre de clonage. Donc, on a mis notre copain Iguanodon en plein milieu. C'est lui qui va du coup tester cette chambre de clonage. Ça se trouve, le truc, il va se faire brûler en 2 secondes. Donc, du coup, par contre, pour ça, on va avoir besoin de matériaux en taux. C'est quoi déjà qu'il faut mettre à l'intérieur pour que ça fonctionne? Éléments de charge, donc... Exact.
Bah tu peux atteindre, normalement tu fais un long E, tu fais access inventory. Enfin, accès à l'inventaire, et normalement tu verras tous les éléments de charge que tu as déposés. Alors du coup ça s'appelle fragment d'element en fait, et du coup ça va se faire ici. Au réplicateur, donc elle est vachement cool. Il faudra en fait, un élément va créer 100 fragments d'éléments. Voilà. Donc du coup, ça fait quoi farmer quand même hein. C'est pas un truc qu'on peut faire ouais, en deux. Ouais, parce que vous voyez là, le petit iguanodon qui est level 409, pour obtenir un clonage minimum maximum, il lui faut 42 500 fragments d'éléments. C'est juste énorme. C'est énorme. Donc du coup, sans plus attendre, on va cloner. Écoute, j'ai juste appuyé sur la touche E apparemment. C'est parti. Oh la vache. Rip l'iguanodon. Il va se faire mieux en kebab. Oh là, attends. Oh les salauds. 2h21. Non. C'est pas 2h20. Si, 2h21. C'est des salauds. Attends, Anto, je veux me faire cloner aussi. Voilà. Alors, combien de temps pour moi? Pas dit. Ah merde. 2h21 pour cloner notre ami l'iguanodon. Je pense que plus le niveau est haut, plus il faudra de temps pour tout simplement le... Est-ce qu'on peut pas avancer le temps, Anto? Oh là, oh là. Le temps passe très vite, là. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais... Mon Dieu, Barry. Oh là là. Oh, arrête, j'avance très vite. Bah oui. Faut pas que je bouge. Non. De quoi t'as accéléré le temps? Ouais, je l'ai fait x20. On dirait que t'es en train de faire une crise, là. Ouais, toi aussi. Oh, du con. Pourquoi j'ai dit du con? T'as pas intérêt à avancer trop vite, hein. On a avancé le temps, du coup, volontairement, pour voir ce que ça va donner au bout des... Je vais pas m'amuser à attendre demain, sachant qu'on tourne cette vidéo assez tard. Je vais pas attendre demain, sachant que demain, en plus, je suis pas là. Et tout le monde fait bouchon bouti. Oh, on dirait que je mets de la musique. Ça y est, on va voir ce que ça va donner. La Speed Force, Barry, la Speed Force. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Oh la vache. Ah mais oui, faut pas bouger, je suis con, moi. Moi, je commence à bouger, tu sais. Une tête, c'est trop drôle. On a avancé le temps. Ouais, grave. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Du coup, on a fait exprès de faire avancer le temps en max, parce qu'il fallait attendre vraiment 2h, en fait. 2h20. On n'avait pas forcément ces 2h20 devant nous. Il reste combien de temps? 28 secondes. Ah, c'est bon. Ah, il va. Je te jure, si l'iguanodon ne vomit pas à la fin des 28 secondes, c'est un champion. T'es un champion, pépère. C'est bien, mon loulou. Hop, je redescends. Imagine, tu te mets dedans à la place et tu mutes avec l'iguanodon. Grave. Tu veux que j'aille sale? Non, 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 non. Et celle-là, ça fait cancel parce que t'es dedans. Merde, ça l'a pas mis droit du coup. T'es où? Je suis parti trop loin, pardon. Alors, un 404. Ah, 404. Ah, et puis il y a marqué clone. Oh merde. Attends, il y a peut-être des choses qu'il a en moins comparé à l'autre. Fais voir. Dégâts de mêlée 496. Il a combien lui? Hop. 496. Non, non, c'est bon. Non, c'est un clone. C'est un clone. Bah non, regarde. Il a pas le même level. Oui, mais parce que l'autre, c'est peut-être parce qu'on l'a eu 400. Attends, oh. Te calme, Michel. Oh, t'as vu, c'est rapide, hein. Eh ben, est-ce qu'ils ont la même gueule? Moi, je le suis plus. Oui. C'est vraiment le même corps. C'est vraiment exactement le même corps. Bon, bah, il est cloné de chez cloné, hein. Ça, y a pas de doute, hein. Et ça marque, ouais, clone, effectivement. Trop bizarre. Donc, faut avoir du temps, hein. Ah, ouais. Bah à la limite faut que tu déconnectes quoi. Tu fais puis tu déconnectes et puis tu te reconnectes le lendemain et il y a le clone quoi, bonjour. Ça. Avec sa petite tête, donc du coup on va aller faire descendre par l'ascenseur qu'Anto a créé qui est juste ici. Oh sinon je suis con, on a qu'à l'attraper. Voilà, il a créé une petite passerelle ici pour descendre. Donc du coup on va s'arrêter là mes petits loups pour cette vidéo sans vous mentir, il y a plus de 2h30 de rec là. Attends, j'espère vraiment de tout cœur que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'était cas, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, de toute façon tout est listé en barre d'infos. Ainsi que Steam, c'est bon, tu t'amuses bien. Pas ma faute. Donc du coup n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, c'est très important, c'est là où je donne le plus d'informations. Quand je dis quand il n'y a pas de vidéo, pourquoi il n'y a pas de vidéo, ouais. S'il y a des trucs importants, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il fait des rollbacks.
Tu vois, ils faisaient des petits sauts et tout. Je vais descendre avec eux à l'ascenseur. Ça fera une bonne fin de vidéo. Attends. Il y en a un qui est de travers, je sens qu'il va se casser la gueule. Ouais, c'est toi qui l'as mis comme ça. On va se mettre comme ça. Du coup, les prochains règles se tourneront autour du nouveau sanglier, de l'abeille, du liopleurodon. Je le prononce bien. Ça se tourne aussi autour du kraken, parce que le kraken... Ah, j'ai eu peur. Le kraken, j'ai toujours pas fait, donc il y a encore énormément de vidéos qui vont se tourner autour de... tricheur. Autour, du coup, de Ark. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse avec cette magnifique image d'Anto et des clones. Voilà, du clone qui vient de chier. Et de Anto, bah voilà, qui n'arrive pas à monter sur une plateforme. Allez, ciao. Ça va. Ciao tout le monde.